c'est mieux la bon Dieu avec nous. Amen. Et nous disons bon Dieu merci matin avec moyen et technologie nous capables d'être en connexion et ça fait un plaisir. Amen. Mais il y a des petits problèmes quand même. Au nom de Jésus, nous passons. Oui, il y a des petits problèmes internet, ça réussit. Et si ça réussit, ça t'arrive parce que nous ne pas plus que 20 à 10 minutes, son plan 20 minutes, on fait. Et si ça t'arrive, une minute là, fini, ma paix, refait plan encore rapide. Parce que 20 à 10 minutes, on fait. Amen. Amen. Mettez-nous ensemble, bien aimé, pour nous tendre des messages. Et oui, maintenant, nous allons faire un coup de prière, Seigneur, nous demandons capable de nous et comprendre la parole et puis mettre en application et permettre que Frère Axel nous capable en réalité grandir plus dans la foi. Amen. Toute vie, amen. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous nous prions. Amen. Amen. Mathieu, nous vient pour nous parler de bienveillance. Alors, là, vous parlez de bienveillance. Si a dit, c'est l'homme dont le regard est bienveillant, sera béni. Proverbe 22, verset 9. Donc, là, vous parlez de bienveillant, c'est une disposition à faire du bien aux autres. Oui, c'est en disposition à faire du bien aux autres. C'est ça qui est bienveillant. Donc, regard, l'on parle de regard, c'est action de regarder, oui, expression des yeux de la personne qui regarde. Mais regard, ça, c'est pas un regard qui est physique. C'est un regard qui est tout à fait symbolique, la parler là. C'est un regard en termes de protection, en termes d'action, en termes d'amour, en termes d'entraide, relation d'aide, support. Et c'est ça, la parler là. Un regard n'est pas un regard qui est physique, n'est pas littéral. C'est pas comme si nous étions m'abgadois avec Dieu, mais c'est dans le sens que me porter secours à vous-même, à un monde qui a un problème. Amen. Donc, regard, ça, son regard bienveillant. Son regard bienveillant, c'est un soin que nous portons à faire monde qui beaucoup de bien. On nous dit son disposition, c'est une intention, c'est être intentionnel même à faire du bien aux autres, au prochain, à mon prochain. Well, donc, dit que mon regard bienveillant, c'est disposé à agir pour le bien du prochain. Mais, il parle tout, il parle de bénédiction. Bénédiction. Et qui me dit non, thème bénédiction, hein, son thème qui est large dans l'Ancien Testament. Well, son thème qui est assez large dans l'Ancien Testament, il est opposé à malédiction. Là où nous sommes bénis, nous sommes dans l'Ancien Testament qui recevait la grâce de Dieu, faveur bon Dieu, protection bon Dieu, secours bon Dieu. Et c'est ça, nous sommes qui bénis dans l'Ancien Testament. Et tu as une théologie qui est développée dans l'Ancien Testament qui, par exemple, dans le cas Job là, comment il y a un monde qui bénit, c'est un monde qui n'a pas aucun malheur, qui n'a pas de souffrance, qui n'a pas pile richesse, il n'est pas malade. Et c'est ça qui fait nous, côté que les amis de Job, ils ont été accusés de Job de pécheur, ils ont été dit Job qu'on coupable, qu'on font bagaille parce que si on souffre, c'est parce qu'on coupable. Donc, théologie, ça, c'est une mauvaise théologie, c'est la théologie souffrance-punition. Alors que souffrance, n'est pas obligé de dire que bon Dieu, t'as avec. Amen. Le fait que m'a souffri, par exemple, même dans le cas là, le fait que m'a souffert, ça veut dire que bon Dieu pas avec. Ça veut dire que regard bon Dieu pas avec, parce que bon Dieu t'est prouvé que normalement, ça, monsieur, au pensé à lui pas ça. Et c'est ça que je veux dire, nous avons évité
théologie de la prospérité qui est extrême. Et pas parce que nous n'avons pas de prospérité pour les chrétiens, non, mais ils sont extrêmes dans la théologie de la prospérité. Il faut qu'on ait des pauvres chrétiens, pas des femmes malades ou des riches, c'est pas ça. Chrétien qui a prospéré, chrétien qui a gagné avion, chrétien qui a gagné corps, chrétien qui a béni, parce que nous sommes des bénis de Dieu. Ouais, spirituellement nous sommes bénis, et bien si spirituellement nous sommes bénis, et bien matériellement nous avons gagné de grands biens. Et bien, parce que généralement tout le monde, des bons chrétiens obligés. Ouais, donc c'est là, extrêmement bien, la théologie et de la prospérité à qui est extrême, qui est négatif. Maintenant, on nous regarde dans le texte là. Il dit, Proverbe 22, verset 9, il dit, l'homme au regard bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain au plus faible. Maintenant, ma question, c'est pourquoi l'homme dont le regard est bienveillant sera-t-il béni? Pour qui ça monte ça béni? Eh bien, le texte donne la réponse. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Le texte a la réponse. Ça lui dit, l'homme au regard bienveillant sera béni parce qu'il donne de son paix au plus faible. Maintenant, la condition pour cette bénédiction de Dieu dans ce texte est là. Amen, frère de Saint. Amen. Amen. Avec moi? Nous là. Regardez verset à bien. Proverbe 22, verset 9, là. Réponse à cette bénédiction que la parole est là, il est déjà là. Il dit, l'homme au regard bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain au plus faible. Donc, ici, c'est condition établie. Condition établie, là, parce que Proverbe nous apprend comme maxime et normalement pour elle, mais il est dit, qui est-ce qui a béni là? Et, pour nous, on regarde dans Isaïe 58. Pour nous garder qui ça le dit, pour nous avoir une réponse là, continuité de réponse là. Maintenant, nous pour nous garder dans Isaïe, nous sommes capables de garder dans Isaïe, chapitre 58, mais pour ne pas tellement, quand on a pris le temps pour si limite ta fin, nous avons dit, c'est le travail problème, mais nous même nous avons gardé dans Isaïe 58, nous capables de prendre tout Isaïe 58 là, net à 59. Alors que m'bral explique quelques versets là-dedans pour bailler réponse à Salomon t'a dit là. Ouais, Salomon seulement dit là, il dit ça, mais Isaïe même bral plus loin parce que la parole de Dieu a une connexion, une cohérence là-dedans. Amen. Et l'autre, tu vois, la parole interprète la parole. La parole interprète la parole. Sous garde dans Isaïe 58, la parole de jeûne, de culte. Et Israël c'est bien pour tendance à jeûner, à faire culte, mais ça passe, bon Dieu a des problèmes avec forme de religion, avec culte là, parce que c'est pas ça, bon Dieu, l'esprit de la religion, l'esprit de la loi. C'est pas ça, Israël. Israël a fait un jeune physique pour montrer mon nom, une sorte de formalisme religieux, ça l'église, ça le chanter, pour aller dans le sabbat, et puis au méchant. Mais le prophète l'a dit non, attention. Le prophète l'a dit attention, jeune quand on a fait, et pas ça m'a demandé. Sous garde verset 5, l'a dit est-ce un jeune de ce genre que je préconise, un jour où l'homme s'humilie, s'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détache les chaînes dues à la méchanceté. Dénoue les liens de l'esclavage. Renvoie libre ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Amen. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres en foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Voilà la réponse, frères et sœurs. Proverbe 22, verset 9, là, mes réponses, que Bible a bail, si nous besoin d'un regard bienveillant, si nous besoin bénédiction, bon Dieu, si nous besoin montrer que nous sommes vrais chrétiens, que nous sommes disciples de Christ, nous devons poser des actions concrètes, parce que le verbe aimer, un verbe qui c'est aimer qui c'est agapao, son verbe d'action. C'est un verbe d'action qui prouve par action, par acte. Ça veut dire que si vous voulez montrer au grand regard
bienveillant pour joindre la protection, la bénédiction de Dieu, la Bible a dit, faut ou détacher chaîne méchanceté, faut ou pas faire moun adi, si moun a travaillé avec ou faut payer, si ou gen moun ki beaucoup tout, faut pas maltraiter, faut pas rendre moun esclave, faut pas rendre moun mal vivre, et il faut partager pain avec moun ki pisse, et pas partager pain avec, comme ça, comme si moun baye pour moi, en retour, map tan nou bagay, non, mais il dit avec celui qui est faible, parce que moun nou bagay que bon Dieu mande, c'est que moun ki fwa de protéger les faibles. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avons la force de Dieu, nous sommes forts en Christ, et bien, de voir nous dans ce monde, faut que nous portons un regard bienveillant aux gens du monde. Faut que nous ne pas contenter nous pour que nous allions seulement à l'église, comme Jésus-Christ existait, qui a été expliqué dans la parabole. Un homme qui t'a descendu à Jérusalem et au bâti. Côté que le prêtre l'a passé, il passe à côté, le lévite l'a passé, il passe à côté. Mais le bon samaritain, il vient avec lui, il prend, il lave les là, il met une sous-module, et qui ça le fait, il mène l'hôpital, il dit prend soin, et si bien plus problème, donnez ma paix. C'est ça que bon Dieu a tant nommé nous en tant que chrétiens. Bon Dieu a tant que nous poser des actions concrètes dans le monde, pour que nous montrions, et c'est ça Jésus dit, oui, tout le monde va connaître que nous sommes disciples, sinon, fais ça, m'en dit nous, sinon, remets-nous l'autre. Amen. Bon, m'a posé une question, mes amis. Est-ce que nous connaissons le jour qu'on nous accepte Jésus-Christ? Bon Dieu, crase la pauvreté, amen. Amen. Est-ce que nous connaissons les jours qu'on monte dans le monde, il n'y a pas de camarade, il n'y a pas de taboué, le jour qu'elle met la foi dans Christ, bon Dieu crase tout ça, ce n'est pas dans le ciel, n'a pas de miracle fait. Ce n'est pas dans le ciel, nous ne voyons pas. Ce n'est pas là, man n'a pas de tomber, non, frères et sœurs. Depuis que nous avons les frères en Christ, bon Dieu vient à retirer la pauvreté. C'est à nous qu'on y a bon agir. Amen. 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 Hein? C'est nous, on y a, on va, depuis que nous entrons dans la famille, bon Dieu, nous sommes les frères, nous sommes les soeurs. Qu'on y a là, nous ne sommes pas capables de voir le monde qui est capable de vivre, qui est capable de payer. Surtout en Haïti, on toujours parler ça, on ne peut pas aller à l'église, et puis pendant que l'église a dit, il n'y a pas qu'on qui s'est allé manger. Pendant nos communautés des frères, nos des frères et soeurs. Amen. Comment ça arrive là, il n'y a pas qu'on qui s'est allé manger. Qui j'en fais pour le monde de l'église, il n'y a pas qu'à payer un chambre pour l'été. Qui j'en fais pour le monde de l'église pour l'hôpital, il n'y a pas capable de faire pour acheter un médicament pendant qu'il y a des frères et sœurs qui ont doué. Frères et sœurs, ça veut dire frères et sœurs. Même papa, qui dit même ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, frères et sœurs. Qui j'en pour que normalement, yon moun capable nan l'église Jésus-Christ pour qu'il y ait problème, li pa ka manje, li pa ka paye kayli. Ça me prend contexte pour Haïti, côté que normalement, et pas Haïti seulement, mais faut que nous éviter individualisme parce que l'église son communauté de frères et de sœurs, côté que moun yon yon capable de comprendre l'autre, yon capable de porter support by l'autre en cas de besoin. Well, son communauté de frères et sœurs que nous y est. Et c'est ça, bon Dieu, attend. Et lorsque nous agissons comme ça, nous ne pouvons pas faire seulement avec l'Église. Parce que dans Galates 6, verset 9, 10, comme ça, il m'a dit pour nous faire bien à tous les hommes. Hein? Dans les précis, il dit pour nous faire bien à tous les hommes, surtout les frères, dans la foi. Ouais? Mm-hmm. À tous les hommes. Ouais, ça veut dire bien, n'a fait là tout le monde, mais il met un accent. Ouais. Il dit, Galates verset 9, ne néglige pas de faire le bien, car nous moissonnons au moment convenable. Sinon, nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches. Dans la foi. Frère Maxime, yo, moun qui était déjà gon cœur de libéralité, qui était
gen yon cœur qui proche pour porter secours à moun qui faible, moi encourage ou fait ça plus parce que c'est ça la vraie religion. Amen. Amen. Moun qui gen cœur sensible moun l'hôpital pour porter au secours le faible moun qui désespéré. Ou même qui te kon fait ça, moi invite ou fait ça plus pour lumière bon Dieu qu'a pointé sur vous parce que c'est ça le dit Isaïe 58. Ou besoin lumière bon Dieu pointé sur vous, c'est fait bien avec moun. Amen. C'est pas maltraiter moun, c'est pas hypocrite avec moun, c'est pas maltraiter moun, c'est faire moun la justice. Ça moun nan mérite à balil, pas peser moun, pas craser l'autre là, pas trop gain force. Et vous pouvez bien nous voir, lumière bon Dieu, ça brille sur nous. Pour ton regard, pour ton regard bienveillant dans le travail là, pour ton regard bienveillant dans la caille là, pour ton regard bienveillant sur l'église là, pour ton regard bienveillant dans le bus là, dans le boss côté là, moi-même, c'est responsabilité, pour ton regard bienveillant partout, écoutez-moi. Frère Maxime, Jean-Mignon, Martin, le Seigneur, m'a dit pour que lumière nous brille. Parce que lumière pharisien avec scribe, c'est-à-dire monde qui formalise. Faut nous éviter le formalisme religieux dans l'église. Faut nous éviter le côté que bien ça a fait. Mais bon Dieu m'a dit pour nous un regard bienveillant. Et monde qui a un regard ça l'a béni. Et il y a toute bénédiction déjà. Dans Esaïe, il dit lumière bon Dieu, a prié sur nous. Nous pas besoin de couper, nous pas besoin comme si nous avons dit, nous ne faisons pas quelque temps. Mais depuis nous faisons ça, bon Dieu m'a dit, depuis nous supporter les faibles, depuis nous porter secours à monde, et bien nous va garder, lumière bon Dieu va briller pour nous. Sur nous, ça veut dire que bénédiction bon Dieu accompagne nous. Jean te dit Israël, bénédiction bon Dieu marche dehors, là dans le jardin. Bénédiction bon Dieu marche dehors, là dans le cala. Bénédiction bon Dieu marche dehors, là dans le bureau. Bénédiction bon Dieu marche tout côté où il est. Amen. Les amis, sont très belles thèmes. Sont très belles thèmes que nous avons là pour nous réfléchir sur l'action que nous avons portée. Parce que bon Dieu promet, bon Dieu prêt. Et qui t'aime dire, laisse-nous aider, mes amis, ça ne va pas empêcher nos vignes plus faibles. Laisse-nous bailler, ça ne va pas empêcher nos vignes plus pauvres. Ça ne va pas empêcher nos vignes pauvres. Parce que la Bible a dit, il y a plus de bénédictions pour le monde qui bail que le monde qui recevoir. Mm-hmm. Pas oublier son bénédiction liée lors des capacités pour bail. Amen. Son bénédiction lors des capacités pour aider. Parce que si vous pas béni, si vous pas gagné, vous pas bail. Qui ça me gagne? Je ne dois pas gagner un bien matériel, même bon conseil pour me porter un regard bienveillant à un frère, à un soeur. Gloire à Dieu. Un support quelconque. Parce que bénédiction, ça, bon Dieu parle là. Il n'est pas nécessairement une bénédiction matérielle, frères et sœurs. Il n'est pas obligé une bénédiction matérielle. Mais ça me vient comme don, ça me vient comme regard, comme capacité spirituelle, comme capacité matérielle, comme capacité intellectuelle. Et quel que soit le niveau lié à, bon Dieu m'a demandé pour une bonne intention, une bonne disposition à servir les autres avec lui. Et c'est une bagage que m'a dit non. Bon Dieu fait pour moi chaque communauté côté me passer. C'est une bagage que qui fait les malis, zone n'a toujours de tristesse parce que nous nous toujours songim. Nous toujours songim parce que bon Dieu fait son monde qui disposé à mettre sa bon Dieu dans moi au service des autres, quelles que soient ces machines, quelles que soient ces corps. Là commencer de temps en temps mon a venir chercher coton bagage. Pas oublier, les n'a pas eu monde, quel que soit monde n'a pas là, bah il avec un pile respect, un pile amour, parce que tout ça n'a fait, tout ça n'a fait pour la gloire de Dieu. N'a fait pour ce bon Dieu. Amen. Et toute action n'a posé, aide n'a fait, c'est pour nous faire pour refléter la gloire de notre Père Céleste, parce que la Bible a dit, c'est pour nous parfaits, comme bon Dieu Papa nous parfait. Qui pas veut dire nous entrer dans la perfection, ça veut dire nous pas bien faire, mais veut dire faut nous avoir maturité pour nous capables de produire des œuvres justes. Bagay qui capable d'encourager la société, bagay qui capable de faire mon bien vivre. Jean auditeur, frère Maxime, il est bon pour noter ça. Il y a un monde qui a un regard bienveillant, et bien, bon Dieu pour mettre pour bénir. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen, 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 amen.
Amen. Nous disons, bon Dieu, merci. Toute gloire pour bon Dieu, que bon Dieu bénisse abondamment, Pasteur Mose, que bon Dieu protège, que bon Dieu protège famille. Et donc, on est dans une zone sensible, on a un pays difficile, ou a fait ministère là, ou a monté descendre, que le sang de Jésus couvre, lui rend invisible dans Dieu tout esprit impur, tout esprit méchant, tout esprit mauvais, que le barricade, ou que le ceinture, ou que grâce bon Dieu l'accompagne, que grâce bon Dieu déverse davantage dans la vie, et que bon Dieu mette dans vous, alléluia, davantage pour capable partager avec